Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture que j'ouvre en ce mardi 13 juin. Il y a eu 15 jours où il n'y a pas eu de vlog parce que je devais en poster un ce matin, sauf qu'au moment de monter, je me suis rendu compte que quand j'ai trié les fichiers de mon ordinateur, je les ai supprimés. Et comme je suis quelqu'un qui, quand elle fait du tri et supprime des fichiers, va aussi vider la corbeille, voilà, ils sont totalement perdus. C'est pas très très grave en soi, voilà, vous avez rien loupé de fou. Je suis toujours dans un palais d'épines et de roses. J'ai lu Dimili le tome 3 et également Calendar Girl le mois de mars. Voilà, je vous parlerai de ces livres dans une update lecture. Hein. Je vais pas vous refaire un petit topo ici comme je l'avais fait dans la première version du vlog. Voilà, je suis toujours dans un palais d'épines et de roses parce que je le lis très lentement, l'univers est dense. J'ai pas de problème avec cette lecture, c'est juste que je la lis pas, voilà, tout simplement. Il faut que je l'avance. J'ai commencé en lecture commune avec Jennifer Crossfire, le tome 5. Donc on se lit un chapitre par jour parce qu'ils sont extrêmement longs. Là, j'en suis au chapitre, il faut que je lise le chapitre 5. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Pour moi, Crossfire, à la base, c'était une trilogie. Ça aurait dû rester une trilogie. J'avais été très déçue par le tome 4. Et donc là, j'ai peur que ce soit pareil avec le tome 5. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je risque de l'abandonner. Parce que les chapitres sont longs, que j'ai du mal à rentrer dedans, que les personnages m'énervent. Là où je trouvais leur histoire intéressante dans les trois premiers tomes, ben, c'est aller trop loin, encore une fois. Je pense que ça fait partie de ces sagas qui ont été poursuivies, malheureusement, à la demande des lecteurs, parce qu'elle a eu un très grand succès, mais que ça aurait dû rester une trilogie de base, comme c'était prévu, voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Peut-être que je l'abandonnerai, peut-être pas. Il faut que j'en parle avec Jennifer aussi, ce qu'elle en pense. Après, rien ne l'empêche, elle, de poursuivre la lecture, même si moi, je l'abandonne. Voilà, il faut que j'en parle avec elle, il faut que je vois ça avec elle, mais j'ai pas envie de m'entériner dans cette lecture, déjà que je lambine un peu sur un palais d'épines et de roses, alors si en plus je lambine aussi sur Crossfire, non, le but d'avoir de lecture, c'est au moins d'en avancer une et de se laisser le temps pour l'autre, si je dois me laisser du temps pour les deux, c'est pas possible, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et puis je vous retrouverai ben, soit pour vous dire en fin de journée si j'ai pu parler avec Jennifer de ce que je vais faire concernant Crossfire, soit éventuellement pour vous dire ce que j'ai lu et comment j'ai avancé demain matin. Voilà, sur ce, à toutes. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. On est mercredi 14 juin. Comment vous dire ça, j'ai pas lu hier, voilà, ni un palais d'épines de rose, ni Crossfire, la loose totale quoi, parce que je me suis laissée distraire par d'autres choses, la maison, bébé, enfin bref, la chaleur, j'ai végété devant la télé, oh, je dirais. Un film que j'avais déjà vu en plus, donc c'était même pas spécialement le truc hyper important qu'il fallait regarder pendant qu'il passait, quoi. Un peu la loose, voilà. J'ai pris la décision hier d'arrêter Crossfire, je vous en avais parlé dans le vlog hier matin. J'en ai parlé avec ma bichette qui est donc ma partenaire de lecture sur ce coup-là, et je lui ai dit, écoute-moi, c'est pas possible, les chapitres sont trop longs, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, les deux la m'énervent vraiment, non, ça va pas le faire. Et elle m'a dit, oui, bah écoute, arrête, de toute façon, elle aussi le lit très très lentement, parce qu'elle est très occupée en ce moment, donc c'était pas le moment pour le seul faire en lecture commune, c'était pas le moment pour le lire tout court dans mon cas, donc voilà, je vais l'arrêter, et... je sais pas si je le reprendrai ou si je le reprendrai pas parce qu'honnêtement, je suis quand même assez déçue par cette suite qui a été faite alors qu'à la base c'était une trilogie. Voilà. Donc j'arrête Crossfire, je sais pas si je vais commencer autre chose ou me recentrer sur un palais d'épines et de roses. Je vous tiendrai au courant, pour l'instant je suis un peu dans le flou artistique, donc bon, on verra. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve un peu pour vous dire ce que j'ai décidé, ce qu'il en est de mes lectures. Bye. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Nous sommes dimanche, il est 9h30. Voilà,
depuis que je vous ai quitté pour, en vous disant que j'arrêtais le tome 5 de Crossfire, j'ai pas lu beaucoup dans la semaine, à part jeudi où j'ai lu 3 chapitres d'Un palais d'épines et de roses. Donc voilà, j'ai oublié de revenir pour vous le dire, quiche du vlog, bonjour. Hein. Du coup, voilà, on en était là. J'aurais dû vous faire une vidéo pâle pour le week-end à lire, sauf que je savais pas si j'aurais le temps de lire ou pas ce week-end. Donc je voulais pas me lancer à vous faire une pâle et machin et tout. J'ai donc décidé de rien faire, de lire le nombre de pages que je lirais. Je me suis pas fixée à proprement parler de nombre de pages, comme la règle du week-end à lire l'exige. Je me suis juste dit, commence un livre, lis-le, voir si tu arrives à le finir. Si tu le finis, commence-en un autre et on verra bien ce que tu arrives à lire. Donc, ainsi chose faite, je me suis lancée. Ouh, vous voyez le bordel derrière avec les jouets de bébé qu'on a mis, machin, pour pas qu'ils chopent, c'est fantastique. Du coup, je vous disais, voilà, j'ai commencé le tome 2,5 des frères Maddox, je crois. Beautiful Wedding. Donc voilà, j'ai dépassé le milieu. C'est pas un très très gros livre. Je pense que je l'aurais fini aujourd'hui. Je sais pas si du coup après j'essaierai pas de terminer Un palais d'épines et de roses quand même. Comme ça serait fait. Je commencerai la semaine sur quelque chose de nouveau. Ce serait pas mal. Voilà. J'arrive bien à me remettre dedans malgré le fait que j'avais lu les autres livres. Désolée, bébé nous interrompt. Les autres livres, il y a très très. Oui, Antonin, maman arrive. Malgré le fait que j'avais lu les autres livres, il y a plutôt un moment. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse parce que comme vous l'entendez, je suis appelée. Bye. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. On est dimanche, on est en plein milieu d'après-midi. Il fait très très chaud. J'ai fini le Beautiful Wedding, donc 155 pages pour un week-end à lire. C'est un peu misérable quand même, mais bon. Je pense pas lire beaucoup plus parce que je ne vais pas commencer d'autres livres. Je vais continuer Un palais d'épines et de roses. Je vais pas pouvoir lire beaucoup puisque en fin d'après-midi on part pour faire un barbecue chez mes beaux-parents, donc forcément ça va prendre du temps. Voilà, donc pas de lecture pour cette fin d'après-midi. Du coup, ben voilà, il était sympathique, je me suis bien remis dans l'histoire de Travis et Abby. Bon, après, ça reste une toute petite nouvelle complémentaire qui aurait totalement pu s'intégrer à beaucoup moins de pages dans un autre livre. Voilà. Sur ce, eh ben, je vais vous laisser. C'est pas la clôture, hein, je reviendrai pour vous dire si j'ai avancé ou pas. J'avance pas beaucoup dans Un palais d'épines et de roses parce que c'est un livre qui, pour moi, on doit y consacrer un petit peu de temps. C'est-à-dire se mettre dedans et lire pour une petite heure, ok. Lire 4-5 chapitres d'un coup, oui. Un chapitre par un chapitre, comme j'ai l'habitude de le faire entre deux activités en ce moment, c'est pas le livre idéal pour ça parce que ça reste quand même de la fantaisie, que c'est un univers et que ça demande qu'on se plonge dedans. J'aime beaucoup ça, mais là c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer en ce moment. Mais j'aime beaucoup ce livre. Je traîne pas dessus parce que je ne l'aime pas. Je traîne dessus parce que je veux prendre le temps, parce que j'ai l'impression que en dilettante, je vais perdre un peu du contenu. Voilà. Je sais pas si je vais commencer un autre ou pas. Dans ma palle, il me reste du moins il me reste Beautiful Oblivion et Orgueil et préjugés, mais que je dois lire en lecture commune avec ma bichette, donc je vais attendre de voir un peu ce que ça donne de son côté. Et sinon, et ben on verra. Peut-être que je me lancerai dans Beautiful Oblivion, dans totalement autre chose, je ne sais pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout plus tard.